Et Jackson 5 arrive chez Motown fin 68, son PDG Berry Gordy leur promet de classer leurs 4 premiers singles en tête du hit parade américain. I Want You Back est le premier titre qui lui permet de tenir parole. Numéro 1 du top 40 américain. Numéro 1 du classement R&B pendant 4 semaines. 2 millions d'exemplaires vendus. I Want You Back figure sur Diana Ross Presents The Jackson 5, le premier album du groupe. Berry Gordy utilise l'image de la diva des Supremes pour présenter ses nouveaux protégés au grand public. Les Jackson 5 seront les dernières stars du label Motown. En 6 ans, les Jackson 5 vendent 100 millions de disques. Ce soir, Christophe Maé reprend I Want You Back. On peut se faire la bise, on a le droit à notre âge.
Vraiment, félicitations. On est très, très heureux de t'avoir eu ce soir. C'est une super version. Ça t'a pris longtemps à créer cette version-là ou ça t'est venu d'instinct? Écoute, avant tout, c'est un plaisir pour moi d'être ici, de pouvoir chanter du Michael Jackson. Et puis voilà, c'est un honneur. Donc, tu merci. As mis une pêche sur ce plateau. Je pense que même les gens à la maison, ils ont dansé. Ouais. Bah écoute, je suis porté aussi par mes musiciens. Merci beaucoup d'ailleurs. Oui, merci à eux. Et puis par l'énergie du public aussi. Et c'est vrai que c'est jamais évident de reprendre une chanson d'un tel artiste. Mais une question s'impose ce soir. Tu es fan de Michael Jackson? Bah écoute, c'est naturellement oui. Tu vois, parce que c'est vrai que Michael Jackson, moi, a bercé mon enfance. Et on peut pas passer à côté d'un tel artiste, quoi. C'est toi qui as choisi cette chanson-là. Il y a une raison pourquoi tu as choisi celle-ci ou tu as pigé au hasard et tu as réussi à faire un truc incroyable. Non, c'est I Want You Back, c'est le morceau qui a révélé Michael Jackson. Et moi, c'est le premier titre qui m'a touché de Michael, quoi. Sa voix comme ça de gamin, mais avec un tel groove. J'avais 14 ans, j'essayais de l'imiter à la maison. Et puis voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Il est un peu un modèle? Non, ouais, écoute, c'est un modèle. Michael, tout simplement, c'est le précurseur de la pop. Aujourd'hui, quand on voit Justin Timberlake, Usher, il a ouvert la voie à tous ces artistes-là, quoi. Donc il a tout inventé, son côté novateur. Il joue pour beaucoup. Et c'est vrai que forcément, moi, de le voir danser, chanter comme il a pu le faire, voilà, tu peux pas passer à côté d'un artiste comme ça. C'est un génie, c'est un génie, ses mélodies, c'est un tout. Michael, il te touche pour tout ce qu'il est, pour quoi. L'ensemble. Ouais, voilà. Olivier, on a la chance d'avoir avec nous Christophe, un expert. Olivier, il y a beaucoup de choses qu'on a dit sur les Jackson 5. On parle de reformation du groupe, c'est vrai ça ou pas? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que Michael, au moment de son décès, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas enregistré avec ses frères, depuis la fin des années 80 et l'album 2300 Jackson Street. Parce qu'il était mieux tout seul, qu'il était plus à l'aise avec les Jacksons. L'aventure Jackson 5 a duré 6 ans qui ont révolutionné le monde de la pop aux États-Unis. Mais Michael était passé à autre chose. Alors évidemment, on l'a vu lors de la cérémonie des funérailles de Michael, les frères qui portaient chacun le gant, c'était un signal un petit peu appuyé pour dire « on est là pour la descendance ». Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas remplacer Michael et que les Jackson 5 sans Michael, c'est plus les Jackson 5. Alors évidemment, le père Joseph a laissé entendre qu'il voulait refaire le groupe Jackson 5. Il a même dit qu'il voulait faire chanter Paris, la fille de Michael. Ouais. Ça reste à voir, mais en tout cas, moi j'ai du mal à croire que les Jackson 5 puissent revenir parce que sans Michael, c'est plus les Jackson 5, c'est même pas les Jackson 4, c'est juste 4 frères sans leur leader. Mais Michael, il avait un des frères dont il était plus proche que les autres? Bah, en fait, curieusement, celui dont il était le plus proche, c'est Randy, le petit frère qui n'était pas dans les Jackson 5 originales, la formation originale, avec qui il a coécrit certaines de ses plus belles chansons et qui l'a remplacé au sein du groupe. Mais il était de toute façon proche de sa famille. Il a toujours dit beaucoup de bien de ses frères. Mais artistiquement parlant, il était clair depuis les années 80 qu'il voulait être tout seul et que c'était Michael Jackson et plus les Jackson 5. Pour lui, cette période de sa vie était terminée quand il a fait Off the Wall notamment. Christophe, je te remercie beaucoup parce qu'on a passé vraiment un très très beau moment avec toi. Je rappelle à tout le monde que ton album On Trace la Route est attendu avec beaucoup d'impatience. Il sort le 22 mars. Christophe sera au Zénith de Paris du 15 au 19 juin. Et ensuite, tu traces ta route partout à travers la France. Merci beaucoup. C'est ça. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup. L'artiste qui va nous rejoindre maintenant, Olivier, je sais que vous le connaissez parce que vous êtes aussi un grand spécialiste du rap et du R&B. Et c'est un honneur qu'il ait accepté notre invitation ce soir parce que c'est une grande star aux États-Unis. Je crois qu'il a travaillé avec les plus grands. Oui, des gens comme 50 Cent, Puff Daddy, c'est un Américain d'origine haïtienne. Déjà aux États-Unis, c'est une des stars de l'année 2010. Il arrive en Europe et c'est vraiment un grand honneur de l'avoir ici. Jason Derulo est un futur très grand. Alors son avion vient tout juste de se poser à Paris et il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir pour vous faire découvrir Billie Jean comme vous ne l'avez jamais entendu. C'est la chanson de tous les records. Billie Jean, 2 janvier 1983.